Cette maison est étrange, elle me donne la chair de poule. Le manoir de Mac Clary, c'est ça? Ce serait plutôt le manoir de Mac Terreur. Oh, bon sang. Alors, voyons un peu ce qui cloche. Ah, je vois d'où vient le problème. Bonjour, les poupées. Ne vous inquiétez pas. Je suis sûr qu'il n'y a pas de fantômes dans cette maison. Vous avez dit quoi? C'est l'endroit le plus bizarre que vous ayez jamais vu? Eh bien, j'ai travaillé dans la zone 62 et il y avait toutes sortes de drôles d'objets. J'aimerais en dire plus, mais je peux pas. C'est top secret. Bonjour! Il y a quelqu'un ici? Pitié, dites non, pitié, dites non. Désolé, les poupées, je vous abandonne. Lâchez-moi! Oh non, cédez! Bonjour, les amis. Vous n'avez jamais aimé la substance collante? Eh bien, en voici une toute nouvelle. La gluante top paillettes. C'est ça, la nouveauté complètement délirante de cette... Laisse-moi deviner. Tu lis ton magazine préféré sur les fantômes? Fais attention, tout le monde va savoir que tu fais une fixation sur les fantômes. Ce n'est un secret pour personne ici. T'es venu pour une raison particulière? Jen m'a envoyé des idées pour un article au cas où un sujet nous intéresserait. Alors, le musée a inauguré une nouvelle expo, l'histoire des théières. Un magasin vient d'ouvrir, il s'appelle Costume délirant pour chien. Barbe pourpre est de retour. Le fantôme du pirate apparaît à la marina. Barbe pourpre? Ah oui, je veux écrire un article sur un fantôme. Et heureusement, mon piège à fantôme a été réparé. C'était une blague. Il n'y a pas de fantôme de pirate. Oh mince, c'était très drôle, Ravi. Je suis désolé, mais reconnais-le. Nos chances d'écrire sur des fantômes ne courent pas les rues dans cette ville. Bonjour les enfants. Jane m'a demandé de régler l'air conditionné. Elle est là. Papa Pou? Tu vas bien? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vas-y, assieds-toi. Merci, ma chérie. C'était une drôle de matinée. Je vois ça. Je travaillais au manoir de Mac Clary, tu vois. Cette très vieille maison qui fait peur sur Anderson Drive. Mais j'ai été chassé par un fantôme. Tu as vraiment vu un fantôme? Faut que j'aille voir. Non, tu n'iras pas. Ce fantôme ne plaisante pas. Il ne faut pas que tu t'en approches. Mais Papa Pou, les fantômes, j'adore ça. Ma chérie, mais tu ne pourrais pas te contenter de faire du coloriage, par exemple? Ça fait des années que je n'en fais plus. Pourquoi? Tu étais très douée en coloriage. Oh, regardez, voici Jane. Je les veux sur mon bureau dans une heure. D'accord. Super, merci. Je ferais bien d'aller voir ce qui cloche sur son air conditionné. Et sans tarder. Oh là là, Jane! Jane! Ah, Monsieur Jones. Ça y est, je l'ai. Je vais pouvoir écrire un article pour prouver enfin à tout le monde que les fantômes existent. Et si j'arrive à le faire, je prouverai à Holly qu'il avait tort. Amelia, on n'a encore trouvé aucune preuve concrète que les fantômes existent. Attends, une seconde. Qu'est-ce qui est le plus important? Prouver que les fantômes existent ou prouver qu'Holly a tort? Bingo! Le manoir de Mac Clary? Oh, Papa Pou a dû les laisser par erreur. Ah oui, il faut absolument que j'aille voir ça. Amuse-toi bien. Dis-leur bonjour pour moi. Allez, les petits fantômes. Montrez-vous. J'en ai trouvé un. Ce manoir n'est pas hanté. Il y a un monstre sporique sous manoir de Mac Clary. Ok, ne bouge pas, on arrive. Bonjour, bouton rose. La malédiction de Tomtress va te détruire. La malédiction de Tomtress va te détruire.
faux. Quand tu ris comme ça, la seule chose que tu risques de détruire, ce sont mes tympans. Reviens tout de suite! Tu ne m'échapperas pas aussi facilement! Je pourrais te dire que j'arriverai à te battre avec les mains dans le dos. Mais je vais simplement te le prouver. Joli mouvement, mais les miens sont plus tranchants. Tu aimes bien ce combat contre moi? C'est l'heure de te faire goûter au sommet de ma pyramide. Tu joues pas très réglo. T'as invité tous tes amis. La récréation est terminée, tête pointue. On est là. Je sais ce que ressent un burrito maintenant. Vous pouvez m'aider? Ne bouge pas. Je peux faire des tas de choses en dehors des bandages. Blast d'humeur, feu! Tu vas bien? Je crois que je vais bien. Je suis content que toi t'ailles bien. Je vous aime tous tellement. Et si jamais il vous arrivait quelque chose... Il n'a pas pleuré comme ça depuis la mort de Goldie. Goldie! Le meilleur poisson rouge du monde. Oh, il me manque tellement. Je pouvais tout lui dire. Ok. Là, ça devient bizarre. C'est le blast d'humeur du monstre Sporix. Il amplifie les sentiments de Ravi et il le rend hyper émotif. Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Mais ce n'est que le début. Alors on va te renvoyer dans ta pyramide. Transformation. Clé Dino Fury. Activé. Connexion transformation. Puissance Dino Fury. J'aime trop nous voir nous positionner tous ensemble. Personne ne fait pleurer mon frère. Sauf moi de temps en temps. Laisse-nous faire, frérot. On l'encercle. Venez me voir, mes jolis. Bon sang, c'est pas aussi rapide une momie, normalement. Celle-là est particulièrement vive. Clé Dino Sprint, paré. Sprint éclair. Blast d'humeur. Feu. Faites attention. Amelia. Tu veux que je te dise, Oli? Tout ça, c'est à cause de toi. De moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Si t'étais pas aussi sceptique, je serais pas allée dans le manoir pour te prouver que les fantômes existent. Aïe! Amelia, il faut te calmer. C'est le blast d'humeur. Il t'a mise en colère. Oui, et alors? Tom Press, qu'est-ce que tu trafiques? Le maître t'a pourtant bien expliqué ta mission. Sa mission? Quelle mission? Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas à le savoir, mais elle a besoin de changer ses bandages puants. Ouais, c'est vrai qu'elle puait. Pourquoi les méchants disent toujours de méchantes choses? Pourquoi on se fait pas simplement des câlins? Ok, il est encore sous le choc du blast. J'ai encore perdu mon temps. Je croyais que j'allais voir un fantôme, moi. T'es toujours en colère? Les effets du blast mettent du temps à s'atténuer. Le blast? Il faut qu'on aille à Buzz Blast. On a une échéance. Tu crois qu'ils peuvent travailler dans leur état? Allez-y, mais faites attention. Oh, très bien. Oh, attends-moi. Nous, on rentre à la base et on garde un œil sur la hotline, au cas où Tom Tress reviendrait. Ah bon sang, le chocolat chaud me fait toujours du bien. C'est un peu comme une couverture chaude enroulée autour de moi et qui me murmure « Tout va bien, Ravi. » C'est pas vraiment un traitement miracle. Et je trouve ça amer. Ah oui. Il nous manque les guimauves. Amelia, je n'ai pas laissé les clés sur ton bureau. En bronze, très vieille, rouillée, avec une étiquette manoir de McClary dessus. Tu pourrais être plus précis. Eh bien, ces clés ouvrent le manoir et je dois les rendre rapidement. Dis, tu ne devais pas régler l'air conditionné? J'ai commencé, et puis j'ai réalisé que je n'avais plus les clés. Papa Pou, attends. Je les ai prises. Oh, et alors, où elles sont? Je les ai perdues, au manoir.
J'allais enquêter sur le fantôme. Oh. Ben quoi, ne me regarde pas comme ça. Oh. J'ai été attaqué par un monstre Sporix. Les Power Rangers m'ont sauvé. Je t'avais bien dit de ne pas aller dans cette maison. Tu te souviens? Oui. Et comme toujours, tu veux m'empêcher de faire quelque chose alors que c'est important pour moi. Si tu arrêtais de me traiter comme une enfant, t'y as déjà pensé? Oh, tu es en colère après moi? Oh, oh, oh. Je n'aurais jamais imaginé ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Où tu vas comme ça? Je retourne au manoir pour retrouver les clés que tu as perdues. Bonjour mon frère. Tu veux du chocolat avec tes guimauves? Non, c'est bon. Personne n'a signalé Tombe 13 pour l'instant. On doit l'arrêter avant qu'elle accomplisse sa mystérieuse mission. Et on sait ce que Tombe 13 faisait au manoir? La maison était en plein bazar, donc je dirais qu'elle cherchait quelque chose, mais... je ne sais pas quoi. Mais alors, elle va peut-être y retourner. Papa Pou a dit qu'il y allait pour chercher les clés. Non, attends. J'ai trouvé ces clés quand vous vous battiez contre Tombe 13. Non, pitié, m'en voulez pas. J'étais tellement ému que j'ai complètement oublié. Génial. Il faut que j'aille lui rendre avant qu'il se retrouve face à la momie. Non, attends. Si tu dis à Papa Pou que Ravi les a trouvés là-bas, il comprendra que Ravi est un ranger. Ok. T'as raison, mais t'inquiète pas. Je crois que je sais comment contourner ça. Ah, vous êtes de retour. Et on a tous les deux pris une douche. Où se trouve ce que vous m'avez promis? J'étais sur le point de le trouver quand les Power Rangers se sont mis sur ma route. Mm-hmm. Elle est très forte pour trouver de bonnes excuses. Tu veux finir, momifié? Alors continue. Maître, mon habileté à sentir la valeur des objets ne m'a jamais trompé. Alors prouve-le! Tu dis qu'il y a quelque chose de très puissant caché dans cette maison, alors retourne là-bas! Trouve-le et rapporte-le-moi! Il faut que vous sachiez que les bandages ont bien enveloppé les Rangers tout à l'heure. Ils criaient, ils pleuraient, c'était hilarant! C'est un bon point, Mucus, et je ne pensais pas te dire ça un jour. La maison attendra, on change de plan! Débarrassez-nous des Rangers! Ça va aller, Papa Pou, prends sur toi maintenant. Oh, j'ai cherché partout ces maudites clés. Oh. Oh là là, il n'y a que ce sous-sol bizarre que je n'avais pas encore exploré. Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est? Un objet qui brille dans toute cette poussière. Bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu un objet de ce genre de ma vie. Bonjour, Monsieur Jones. Oh, le Ranger Rose. J'espère que je ne vous ai pas fait peur. Il me semble qu'elles sont à vous. On les a trouvées quand on s'est battu contre le monstre Sporix. Merci beaucoup. Je les ai cherchées partout, ces maudites clés. Mais à la place, j'ai trouvé ça. Waouh! Une clé d'inno de combat. C'est de la technologie Ranger, je peux? Bien sûr. Je n'en avais encore jamais vu. C'est peut-être ça que le monstre Sporix cherchait. Une seconde, celui qui a attaqué ma petite fille. Je suis très heureux qu'elle n'ait rien vu d'ailleurs, merci de l'avoir protégée. Oh, non, de rien. J'essaye de la raisonner, mais je n'arrive pas à l'empêcher de faire des choses dangereuses. Vous savez, peut-être que ces choses dangereuses qu'elle fait sont des choses qui lui plaisent. Oh, elle pense que je me fais trop de soucis. Mais quand Amelia était bébé, ses parents ont disparu un jour. Dans des circonstances qui restent encore très mystérieuses. Et je leur ai promis que je veillerais sur elle si quelque chose devait leur arriver. Waouh! Et vous ne lui avez jamais parlé de cette promesse? Non, non, je n'ai rien dit. Amelia... elle a souvent demandé ce qui était arrivé à ses parents. Et depuis qu'elle est enfant, elle est omnibulée par tout ce qui est paranormal. Elle pense pouvoir comprendre ce que c'est. Tu comprends? Et d'ailleurs, elle prend souvent beaucoup de risques. Monsieur, même si vous êtes un peu trop protecteur, je suis sûre que votre petite fille vous aime. Très fort. Désolé, le devoir m'appelle, je dois y aller. Oui, Solon, qu'est-ce qui se passe? Personne ne peut se soustraire à ma malédiction, les Rangers! Connexion, transformation! À l'attaque!
Clé ampli, barré. Hyper frappe. Blast d'humeur. Izzy, laisse ma sœur tranquille. Ne t'approche pas de la momie. Elle fait tellement peur. Oh non, elle t'a rendu plus peureuse. Vous devriez avoir peur tous les deux. Très, très peur. Ça suffit. Et si je les enveloppais tous? Des épées affûtées, pointues, dangereuses. Merci, Oli. Elle se battra pas tant qu'elle aura peur de ses armes. Je garde un œil sur elle. Vous voulez changer d'humeur? Oh non! Vous allez bien, les amis? Rassurez-moi, vous n'avez pas changé d'humeur. Amelia, on a tellement de chance d'être tes amis. Hein? T'es la meilleure. Et toi aussi, Zaito. T'es un vrai champion. Allez, viens, on va s'amuser. Non, je n'ai pas envie. Pour être honnête, je n'ai envie de rien faire. T'es trop drôle. Génial. Il est super joyeux et lui super négatif. Et tous les deux super inutiles pour se battre. À moi de jouer. C'est ça que tu cherchais? Souffleuse de poussière? Oui, enfin. Clé dino flamboyant. Pareil. Armure de combat flamboyante. Si je te donnais un petit coup de chaud. C'est assez chaud. Si on montait la température. Attaque furie flamboyante. Tu as cru que tu arriverais à griller une pauvre petite pyramide? Mais je peux me transformer en triangle de terreur. Oh non. On s'ennuie. Ils deviennent géants à chaque fois. Protège-moi de cette horrible momie. On est très mal. Ils peuvent pas se battre. Mais Zaito doit faire venir les Mégazords. Oh, faites-le vous-même. J'ai pas envie. Soit on grandit, soit on rentre à la maison. Solon, déploie le Zord Champion T-Rex. Zord Champion. Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu? Solon, pourquoi un nouveau Zord vient d'apparaître? Le Zord Dimétro Flamboyant s'est réveillé quand tu as utilisé sa clé. Passé en mode méga. Avec joie. Assemblage des Zords. Connecté. Et c'est parti. Mégazord T-Rex Flamboyant. C'est gentil de rejoindre l'équipe. On verra de quoi vous êtes capable. À nous de jouer, Ravi. T'es prêt à faire griller ce monstre? Oh oui. Attention, ça va chauffer. C'était pas prévu dans mon contrat. Déluge flamboyant. Toutes ces flammes et ces grands gestes, que c'est ennuyeux. Ah oui, je passe à la vitesse supérieure. J'ai toujours rêvé de le faire. Sabre méga furie. Mégazord de T-Rex flamboyant. Frappe méga flamboyant. Victoire Dino Fury. Le rose gagne toujours. Oui, ça devrait aller. Merci d'avoir réglé l'air conditionné. Je la mets en route et vous choisissez la température. C'est formidable. J'ai hâte de l'allumer. Encore une minute. Allez-y maintenant. Il fait meilleur dans mon bureau. Mais il y a un petit peu trop de vent à mon goût. Ah oui, attendez. Je crois qu'il faut que je fasse encore un tout petit réglage. Vous avez dit un tout petit réglage. Je suis vraiment désolé. Vous pouvez réessayer maintenant. Ok, j'y vais. Oh, il est là. Alors, Jane, ça va mieux? C'est parfait. Si
si vous avez décidé de me faire griller comme une teinte de Noël. J'ai peut-être augmenté un peu trop le thermostat. Attendez, je baisse la température. Merci beaucoup. Papa Pou, je peux te parler une minute? Si tu veux. Je suis vraiment désolée. J'ai été très désagréable avec toi tout à l'heure. T'avais raison en disant que la maison était dangereuse. J'aurais pas dû te prendre les clés. J'ai énormément de chance d'avoir un grand-père qui prend aussi bien soin de moi. Tu crois? Oh, ma poulette. Tu sais, je serai toujours là pour veiller sur toi. Ouais. Et je ferai de mon mieux pour que tu sois fier de moi. Je suis déjà très fier de toi. Et si tes parents étaient là, ils seraient fiers aussi. Oh, c'est un peu trop froid. Monsieur Jones, sachez que je ne vous paierai pas pour l'intervention d'aujourd'hui, sauf peut-être si vous arrivez à me battre à une bataille de boules de neige.